James Hillcock fait des rondes. Sa tête tombe toutes les deux secondes. Accroché à sa Winchester, il veille, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus, attrapé par le sommeil. Ils avaient vu l'autre jour à la rivière, lorsqu'il avait amené à cheval son petit Jimmy. Franchement, ce gamin-là, c'était toute sa vie. Son rire tombait en cascade, comme des billes sur le parquet. En tout cas, c'est sûr, c'est Lascarla en veut à sa famille, son or, son trésor. Patiemment, il avait tout engrangé depuis qu'il avait bâti la ville avec les autres pionniers. Les paroles du père Lorenz résonnaient encore à son oreille, comme le firent contre le bois encore frais de la nouvelle église. Il était question de pommes fraîches dans un panier d'osier et des fruits gâtés qu'il fallait éradiquer, alors James Hillcock fait des rondes, sa tête tombe toutes les deux secondes. Accroché à sa Winchester, il veille, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus, happé par le sommeil. Le curé l'a redit lors de son prêche. Les mécréants, les invertis, ils en veulent à nos vies. De sa voix rêche, il avait poursuivi. Tout ce qu'on a patiemment mis de côté, le dos courbé et la terre si sèche. Alors, quand il avait vu les pommes gâtées à la rivière, armées de coltes et coiffées de chapeaux crasseux, il est allé chez le vieux. Wilbur Barnes tenait boutique, possédait la logistique adéquate pour faire mettre genoux à terre aux outlaws, et sa femme et son fils dormaient là-haut pendant que James Hillcock fait des rondes. Sa tête tombe toutes les deux secondes. Accroché à sa Winchester, il veille jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus harasser de sommeil. D'attendre comme ça, que les autres viennent, qu'il les saigne, lui, sa famille, son or, son trésor. Alors après la messe, il avait écouté les hommes, et même son voisin Osborne. Ils voulaient avec leurs milices débarrasser leur terre du vice. Dieu guiderait leurs bras noueux de paysans pour surprendre et éliminer les mécréants. À l'aube, ils attaquèrent le camp près de l'eau, la poudre, la fumée qui se dissipe bientôt. Dans la confusion, Osborne a fait feu, mais n'est plus trop certain. C'est canardé de partout, dira-t-il plus loin. James Hillcock fait des rondes, sa tête tombe toutes les deux secondes. James Hillcock tourne deux secondes, puis sa tête tombe. Suivi du corps sans vie, il lâche enfin son fusil.